Guillaume Soreau, bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles. Oui. C'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens qui contrôlent le nord du pays, 60% du territoire. Hein? Vous êtes également ministre d'État, ministre de la communication du gouvernement issu des accords de Marcoussis, mais vous ne siégez pas. Hein? Depuis le 4 novembre, effectivement, je ne siège pas au gouvernement pour des raisons évidentes de sécurité. Ouais. Bien sûr, le 4 novembre 2004, on se rappelle très bien que c'est ce jour-là que le régime de M. Laurent Gbagbo a attaqué, n'est-ce pas, le nord de la Côte d'Ivoire avec des avions de guerre et qui a même causé la mort de 9 soldats français. Ouais. Alors, pour la première fois, donc, Guillaume Soreau, le leader des rebelles de Côte d'Ivoire, s'explique dans un livre qui s'appelle « Pourquoi je suis devenu rebelle ?» publié chez Hachette Littérature. Alors, avant d'en venir précisément au contenu du livre, encore quelques mots sur vous, Guillaume. Vous êtes né en 1972. Vos parents sont catholiques, mais votre père était polygame quand même. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui. Non, mais, attendez, vous faites rêver tous les Français en disant « bien sûr ». On pensait qu'il fallait être musulman, nous, pour être polygame. Et là, on découvre subitement qu'on peut être polygame en étant catholique. Oui, ça nous ouvre des horizons, Guillaume. Non. Heureux homme. Je pense que... Combien de femmes? Combien de femmes? Deux. J'ai... Que deux? Oh, petit bras, hein. Oh. Deux, c'est décevant. Ah, Guillaume, c'est décevant, là, oui. Mais c'est des deux à la fois. Pas mal, celle-là. Bon, merci. Je la couperai au montage. Je peux. Donc, parents catholiques, père polygame, brillant élève, Guillaume. Au départ, vous avez la vocation de la prêtrise. Et d'ailleurs, vous faites le petit séminaire. De Catiola. Voilà. J'ai fait le petit séminaire et effectivement, j'avais pour vocation de devenir prêtre. Et... C'est vrai qu'il faut être un peu conformiste pour être prêtre. Et... Ce n'est pas votre cas. Pas du tout conformiste. À l'adolescence, vous êtes déjà un leader. Vous êtes révolté. Vous militez dans les mouvements étudiants. Enfin, très tôt, vous avez pris en compte le social. Oui. Après le petit séminaire où on nous a appris les valeurs de la justice, de l'éthique. Quand vous arrivez à l'université d'Abidjan, et que vous êtes méritant pour avoir un certain nombre donc, d'acquis sociaux que vous n'avez pas, et que des moins méritants que vous ont justement accès, par exemple, à un logement à la bourse, il faut bien dire que... Ça énerve, ça énerve. Alors, ça énerve. Alors, on en revient à votre livre. « Pourquoi je suis devenu rebelle ?» La principale raison de votre rébellion, c'est l'ivoirité. Alors l'ivoirité, c'est quelque chose que nous, ici en France, on connaît mal. C'est la version tropicale, en fait, de la préférence nationale. C'est-à-dire, tout est de la faute des immigrés, c'est la faute des Maliens, c'est la faute des Burkinabés, c'est-à-dire les gens du Burkina Faso, c'est la faute des Ivoiriens du Nord, c'est-à-dire pays dont vous venez. Oui. Enfin bref, l'ivoirité, c'est un petit peu comme les théories de Le Pen, mais appliqué à l'Afrique. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. Et bien sûr, c'est accompagné de toutes ces violences racistes qu'on peut constater en Côte d'Ivoire, les assassinats politiques, les massacres et tout ça. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Ukraine où on peut manifester comme on l'entend. Quand vous vous hasardez à descendre dans les rues, ce sont les Kalachnikovs des gendarmes qui vous accueillent, qui tirent sur vous. Et à partir du moment où cette théorie de l'ivoirité a été consacrée dans la constitution ivoirienne, il fallait prendre ses responsabilités, il fallait décider soit de vivre et mourir sous la dictature ou combattre. Ouais. Et ce sont des raisons qui nous ont amenés, n'est-ce pas, à programmer l'insurrection. Alors, la France s'est interposée entre vous et Gbagbo, c'est-à-dire entre vous et le président élu de Côte d'Ivoire, pour créer une barrière entre le Nord et le Sud. L'intervention française, dites-vous, nous a privés de notre victoire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'intervention française, les troupes rebelles, les troupes du Nord, dites-vous, seraient allées jusqu'à Abidjan, auraient pris la capitale, auraient pris le pouvoir. Je pense que même certaines organisations internationales l'ont reconnu. La rébellion avançait sans résistance vers le sud de la Côte d'Ivoire. Les forces françaises sont venues sous
le prétexte, ou du moins l'argument qui a été avancé, c'était donc d'évacuer les ressortissants français de la zone que nous contrôlions. Et nous nous sommes rendus compte que, au lieu d'évacuer les ressortissants français, l'armée française a stoppé notre élan victorieux sur Abidjan et a même donné un appui logistique aux soldats de M. Laurent Gbagbo. Et alors, ça, ce n'était pas pour la paix. Mais Guillaume Soro, comment vous expliquez que si les Français lui ont sauvé la mise, lui ont sauvé la peau, comment vous expliquez qu'après, il ait finalement dit à son peuple de virer les ressortissants français qui habitaient là-bas à Abidjan et dans la région, disons? Mais vous savez, l'ivoirité, la version ivoirienne de la préférence nationale, on a tellement manipulé des jeunes gens, on les a instrumentalisés. Et il a fallu qu'un jour, le régime, M. Gbagbo, décide d'appuyer sur le bouton français. Et les jeunes miliciens se sont dirigés contre la communauté française, qui d'ailleurs était la plus importante en Afrique de l'Ouest. Ouais. Est-ce que la France peut encore avoir des ressortissants en Côte d'Ivoire? Écoutez, ce sentiment anti-français qui a été développé dans le sud de la Côte d'Ivoire n'existe pas au nord. Je vous signale que ma voisine est une Française, elle n'a jamais été agressée. Nous avons longtemps vécu en bon voisinage avec les Français et il n'y a pas eu de problème. Alors, on a pointé un certain nombre de dérapages quand même au sein du Parti des Forces Nouvelles. Il y a un rapport de l'ONU qui vous menace aujourd'hui de poursuites judiciaires. Si un jour vous êtes convoqué devant un tribunal pénal international, est-ce que vous irez, Guillaume? C'est vrai que quand vous contrôlez une zone presque aussi grande que la Grande-Bretagne, deux fois le Portugal, il peut avoir des dérapages. Et je suis sensible à tous ces dérapages qui ont pu survenir dans notre zone. Mais la fermeté que nous mettons à combattre l'impunité est à mettre à notre acquis. Mieux, l'ONU a toujours reconnu dans ses rapports que les forces nouvelles ont toujours collaboré aux enquêtes qui ont été menées dans notre zone. Donc vous êtes prêt à reconnaître qu'il y a eu des dérapages et à aller devant un tribunal pénal international? Bien sûr que personne ne peut se dérober à la justice internationale. Je considère que c'est de ma responsabilité de répondre si je suis convoqué. Alors, est-ce qu'au-delà de toutes ces questions ivoiriennes, le problème, finalement, ce n'est pas le découpage de l'Afrique? Parce que l'Afrique a été découpée par les puissances coloniales à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas en train, à travers toutes ces crises, toutes ces guerres, de retrouver ses vraies frontières, qui sont des frontières ethniques et pas des frontières décidées par le colonisateur? Je pense que le problème qui se pose dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de frontières, je ne crois pas. C'est vrai que ces frontières ont été tracées sans l'avis des Africains et que ce sont des frontières quelquefois absurdes qui divisent des communautés, qui divisent des familles. Oui. Parce que vous pouvez être en Côte d'Ivoire et puis avoir de la famille au Ghana, voilà, etc. Je pense que c'est aussi l'une des tares de la colonisation. Mais aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Parce que généralement, ceux qui tiennent ce discours, mais écoutez, ils ne cachent pas et ils continuent sous le secret d'entretenir des relations, je dirais, néocoloniales avec les puissances. Est-ce que pour vous, la solution, c'est le panafricanisme? C'est-à-dire, finalement, comme il y a l'Europe, il y aurait l'Afrique qui serait une espèce de zone comme ça, où les frontières seraient abolies? Absolument. Je pense que l'Afrique doit aller vers les grands ensembles. On ne peut pas rester dans de petits États et espérer, n'est-ce pas, donc acquérir le développement souhaité. Voilà, ça s'appelle « Pourquoi je suis devenu rebelle », Guillaume Soro, c'est chez Hachette Littérature. Alors, si un jour vous parvenez au pouvoir, Guillaume, est-ce que vous réagirez comme les autres? Est-ce que vous deviendrez un dictateur comme les autres? Bon, ça fait toujours rigoler les dictateurs en herbe, ça. Ouais. Non, il est toujours difficile de parler de soi-même. Mais je pense que nous avons donné l'exemple. Notre rébellion, à la différence des autres rébellions, n'est pas une rébellion de pouvoir. Nous n'avons pas pris les armes pour conquérir le pouvoir coûte que coûte. Nous avons pris les armes et nous avons dit au peuple ivoirien: je ne suis pas candidat aux élections présidentielles d'octobre 2005. Ce que nous demandons, c'est bien sûr des élections démocratiques
pour restaurer la souveraineté du peuple ivoirien. Et je répondrai avec Victor Hugo pour dire que la dictature ouvre un droit à l'insurrection et la démocratie le referme. Donc vous n'êtes pas candidat à la présidence ? Non, pas du tout, je ne suis pas candidat. J'ai une question qui risque. J'ai un ami là-bas qui est à Abidjan, qui a épousé une Ivoirienne, ils ont un enfant, et je m'inquiétais beaucoup pour lui pendant les événements. Et là, comme il travaille là-bas, il nous rassure un peu en disant que ça s'est calmé, mais on sent quand même que ça peut, c'est une poudrière quand même. Ah oui, je l'ai dit dans l'introduction de mon livre que les ingrédients pour un génocide sont réunis en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi ce livre a pour vocation d'informer la communauté nationale française, parce que la France a joué un grand rôle dans la crise ivoirienne et on n'est pas très bien informé de cette crise. C'est comme si, est-ce qu'on peut imaginer que les Américains aujourd'hui parlent si peu de Fallujah ou de l'Irak comme ouais. la France le fait pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que ce livre doit permettre d'informer largement, et je vous dis qu'avec l'ivoirité en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas réglé, le fils de votre ami ne pourra jamais prétendre à un poste politique en Côte d'Ivoire. Oui, il dit dans son bouquin, c'est le Rwanda en devenir. Ah oui, et les ingrédients sont réunis. C'est maintenant que la communauté internationale doit se montrer ferme. Soit nous passons le cap avec des élections démocratiques, transparentes, incontestées, où le perdant appelle le vainqueur pour le féliciter, ou alors c'est la catastrophe, c'est le Rwanda. Donc il faut lui conseiller de rentrer donc. Je pense aujourd'hui que c'est bien que votre ami soit encore en Côte d'Ivoire, comme ça avec la sensibilisation qu'il peut faire autour de vous, en France ici, la communauté internationale interviendra. Mais il y a une logique absurde, enfin, il y a une logique quand même sur laquelle je m'interroge. Nous avons souhaité, lors du dernier sommet que nous avons tenu à Pretoria en Afrique du Sud, que l'ONU vienne organiser les élections en Côte d'Ivoire pour en garantir le caractère, bien sûr, transparent. On nous a répondu, la Côte d'Ivoire n'est pas encore un État en faillite, donc l'ONU ne peut pas venir. Bon, peut-être maintenant, il va falloir qu'on le mette en faillite pour que l'ONU vienne organiser ses élections. Donc, je pense qu'il faut que la communauté internationale, il y a urgence que la communauté internationale intervienne en Côte d'Ivoire, sinon encore l'humanité portera sur sa conscience une autre tragédie dans mon pays. Merci Guillaume. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.